avions virevoltaient à l'eau dans un ciel si beau, dans ce cadre idyllique avec le clocher de notre village en contrebas, semant la mort des jeunes hommes et en particulier celle de Quentin Roosevelt. Quentin Roosevelt est une figure emblématique de l'amitié franco-américaine et le fils de Theodore Roosevelt, président des États-Unis d'Amérique et prix Nobel de la paix. Lorsque les États-Unis entrent en guerre le 6 avril 1917, les quatre fils de Roosevelt manifestent leur souhait d'un engagement immédiat. Pour Quentin, le choix des armes ne se pose pas. À l'école d'aviation de Guinola, on lui découvre un sixième sens, ce don si rare de l'aviateur né qui fait de lui un des meilleurs. Le 14 juillet 1918, date ô combien symbolique pour la France, Quentin décolle pour couvrir une vol d'observation. Mais sa formation est surprise par l'aversion allemande. L'avion de Quentin Roosevelt est le seul à bateau. Centenaire de la mort de Quentin et par extension tous les autres gens de tous les pays qui sont engagés dans cette guerre abominable. Honneur aux soldats d'un pays, honneur et gloire.